Cela fait bientôt trois décennies que le duo comique Les Baudins existe. Et si une telle longévité dans ce milieu est plutôt rare, les deux hommes qui campent les personnages de Maria et Christian Baudin, à savoir Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet, le sont tout autant dans les médias. Du moins surtout lorsqu'il s'agit d'évoquer leur vie privée en dehors des plateaux de télévision et des salles de spectacle. Mais à l'occasion d'une interview accordée à nos confrères de Télévision Magazine, les deux humoristes se sont laissés aller à quelques confidences. Ainsi, quand ils sont questionnés sur leur vie personnelle respective, Vincent Dubois répond : Jean-Christian, tu veux commencer ? Car si est-il particulier ? Son comparse rétorque : je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant. Bien qu'il soit aux dernières nouvelles en couple avec une certaine Christelle, ce choix de vie est à l'opposé total de celui de Vincent Dubois, qui explique : je suis avec la même épouse depuis 35 ans, Marie que j'embrasse très fort. Si et si parce qu'elle est à côté de moi que je suis resté à peu près sain. On a eu deux filles qui ont aujourd'hui 28 et 23 ans. Il y a deux ans, on est devenu papy et mamie d'une petite fille. Tout est formidable. À force de jouer la grand-mère, je suis devenu grand-père. On fait ce métier pour les mêmes raisons, faire plaisir aux gens, une différence surprenante pour ce duo si fusionnel lorsqu'ils sont dans la peau de leur personnage. Et même s'ils ne partent plus en vacances ensemble comme au tout début pour apprendre à se connaître, les deux hommes restent complices. Quand on est en tournée, on passe 4 jours par semaine ensemble. Si est-il déjà pas mal, avance Jean-Christian Fraissinet. Mais quel est donc leur secret pour ne pas avoir la moindre dispute en 30 ans de carrière? Dans nos métiers, souvent, ce qui fout le bordel, si est-il l'ego. Avec Jean-Christian, il n'a jamais été question de cela. On fait ce métier pour les mêmes raisons, faire plaisir aux gens. On a eu la même enfance et si est-il, je crois, pour cette raison qu'on s'entend bien, argumente Vincent Dubois, tandis que son collègue réplique, les désaccords artistiques arrivent mais en 30 ans, on ne cesse de jamais engueuler une seule fois. Et le secret de la durabilité de ce duo atypique, qui se décrit comme les Daft Punk de l'humour car peu de gens les reconnaissent dans la rue, réside sûrement dans cette modestie à toute épreuve.